Bonjour à tous, vous allez bien? Aujourd'hui, retour du coup du concept de Woodbox que j'avais mis sur la Tao Prod à l'époque, mais que je continue quand même en solo parce que j'ai commencé en solo tout seul sur la Tao Prod, mais que je reprends tout seul sur la solo. Vous comprenez? Donc, deuxième box du coup, parce qu'on avait fait celle de septembre, et du coup, on va faire celle d'octobre. Et celle d'octobre, elle a pour thème Nightmare, qui veut dire cauchemar à peu près. Je crois que c'est... Pourquoi à peu près? Parce que Nightmare, ça veut dire cauchemar. Pourquoi à peu près? Donc, la bête est là. Personnellement, je la trouve plus lourde que le mois dernier. Vous avez peut-être repéré que j'avais des nouvelles lunettes, je suis assez content. Hein, c'est une amie opticienne qui m'a conseillé ces lunettes là et franchement elle a très très bon goût parce que j'adore mes nouvelles lunettes. Coucou à toi. C'est une danseuse du cercle celtique de Saint-Nazaire dont je fais partie parce que c'est marqué dans ma bannière comme quoi je suis aussi danseur breton et je suis fier de l'assumer. Voilà cette petite boîte et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Attendez, j'ai soif, je bois un peu. La box, ce mois-ci, a mis du temps à venir. Hein. Il y a eu apparemment des problèmes de fournisseurs. Alors, c'est parti. On va voir aussi ce que c'est que la pop aussi. Parce que vous savez très bien que j'adore la pop. Hein. J'adore la pop. Alors, c'est parti. On y va au compte-goutte. Et là, je suis pas spoilé. Donc, il y a le livret, comme d'habitude. C'est la Nightmare. Voilà, Stranger Things. Voilà. C'est ça que c'est ce mois-ci. Je ne connais pas du tout cette série. Alors c'est parti, on va... Alors je sens la pop déjà, je sens la pop, mais on va pas commencer directement par la pop, on va voir ce que c'est que ça. Alors c'est Batman, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Attends. Ils sont sérieux? Je fais pas la cuisine! Sérieux? Ils m'ont offert un tablier de cuisine Joker! Mais je fais pas la cuisine! C'est un tablier de cuisine Joker. C'est stylé, mais je fais pas la cuisine! Chez moi, je fais pas les cuisines! Allez, c'est parti! Ah, il y a le Pins Woodbox que je viens de choper. Oh! Voilà, mais en tout cas, c'est un personnage, il est bien connu celui-là. Mais c'est bien stylé celui-là! Franchement, celui-là, je le kiffe, contrairement à. Allô, je sais même pas où j'ai foutu le premier. Vous voyez Woodbox quand vous voulez fabriquer de bons trucs, ça c'est un bon truc. Voilà, allez, on va pas faire plus attendre, on va faire la pop, ça va être là. Vous voyez que depuis le mois dernier, du coup, j'ai acheté Dumbledore. Alors c'est parti, parce que par contre la pop, j'ai été obligé de la sortir avant. Je ne connais pas non plus. Donc c'est, pour ceux qui connaissent Stranger Things, c'est du coup Eleven Underwater. Voilà, donc on va la déballer, sortir de la boîte, et puis elle va aller directement dans le décor avec les deux autres pop. Donc par contre, le jour où on aura des pop qu'on connaît quand même, des personnages qu'on connaît, vous me prévenez, hein, au bout de box. Elle est assez spéciale parce que le décor du corps est bien détaillé. Donc il n'y a même pas de boue, hein. Si elle tient pas de boue, on n'est pas dans la merde. Voilà, on va mettre les gens que je connais et les gens que je connais pas. Voilà, donc ça c'est... Voilà, on continue. Donc il y avait ça. Donc à la base, il doit en avoir encore un ou deux. Ah, j'en ai un. Oh là là. Vous le savez pas, mais dernièrement, on est allé voir ça, le dernier qui vient de sortir avec... le dernier qui vient de sortir, ça, le remake. Et puis voilà ce qu'il nous envoie. Alors franchement, elle va aller dans le setup tout de suite. Elle va aller dans le setup parce que j'ai adoré le film d'horreur, ça. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ça, un panneau comme ça, c'est dommage que ça soit long, que ça include, mais c'est quand même assez kiffant. Et elle va aller dans le setup. Hein, elle va y aller, elle va venir là. Elle est pas mal là. Elle est bien là. Elle est bien. Oh, je kiffe. Ce mois-ci, c'est encore mieux que le mois dernier. Donc à la base, il doit rester juste le t-shirt. Je vais vérifier qu'il reste rien d'autre que le t-shirt. Oui, c'est bon. C'est parti pour le t-shirt. Alors déjà... Oh putain, j'ai pas tenu. C'est normal. Je vous explique pourquoi j'ai pas tenu ma promesse. Pourquoi j'ai pas tenu ma promesse de je mettrai le t-shirt du mois dernier. Parce que la Woodbox ce matin est arrivée ce matin. Mais en fait le postier est arrivé trop tard
le temps que je descende en bas pour ouvrir la porte, le postier était, avait déjà mis l'avis de passage dans la boîte à lettres. Donc c'était pas la peine. Donc du coup, j'étais obligé d'aller chercher le colis cet après-midi. Et cet après-midi, j'ai fait d'autres choses après. Et là, il me reste peu de temps en fait. Il me restait peu de temps pour tourner la vidéo. Et ensuite, je vais aller quelque part. Donc j'ai pas eu le temps de rechanger de t-shirt pour le remettre. Mais pour le mois prochain, je vais mettre un écriteau pour pouvoir mettre ce t-shirt là. En plus, si c'est les Simpsons, je pense que je vais kiffer. Alors. Voyons voir. Oh, c'est pas piqué d'un dos. Regardez-moi ça. Attendez, qu'on les déplie. Qu'on les déplie bien. Franchement, il est sympa. C'est les Simpsons, donc on voit Bart, Lisa et Homer, du coup en fantôme avec la lune. Avec la lune derrière. Franchement, c'était une bonne box. Franchement, ce que j'ai kiffé, c'est surtout le t-shirt, le pins et surtout la plaque. J'ai beaucoup aimé la plaque. Voilà. Franchement, c'était bien kiffant. Voilà. En tout cas, voilà ce que c'est pour pour cette wood box du coup du mois d'octobre. Je suis toujours très content de faire ce genre de vidéo. Très hâte de vous présenter du coup la box du mois de novembre qui sera sur le thème fight. Donc on verra ce que ça donne, ça peut être tout et n'importe quoi. C'était comme celui-là, hein, c'était Nightmare, on doutait que c'était pouvait être tout et n'importe quoi. Parce que dans les jeux vidéo, dans les jeux ou dans les séries, il y a plein de trucs cauchemardants. Donc c'est évident que c'était extrêmement large comme choix. C'était une très très bonne box. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre du coup sur YouTube, à vous abonner, mettre un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook Gamezik et sur mon Twitter Gamezik. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat avec Gamezik Atao. Et sinon du coup, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.